Ah, CNRD, CNRD, CNRD. CNRD. Ah, CNRD. Ah, CNRD. Vous êtes fort, hein? Vous êtes fort. Mais Dieu est plus fort que vous, hein? Dieu est plus fort que vous. Partagez-moi ce live. Quand vous venez, partagez le live dans les groupes. Partagez le live maximum dans les groupes. C'est le minimum que vous pouvez faire. Ce qu'on vient vous dire, vous le partagez aux autres. Que ça touche le maximum de gens. C'est de ça qu'on a besoin. Partagez le live. Quand vous venez, vous partagez le live. Si c'est les trucs de futilité, vous partagez ça. Alors que des choses importantes pour notre pays, voilà, il faut qu'on vous demande, on vous demande, on vous demande de partager. Il faut qu'on vous supplie même de partager. Alors que le pays là, ça nous appartient tous. Donc, je vais parler sur deux aspects dans ce live là. Le premier aspect, c'est quoi? C'est la libération du commandant AOB. La libération du commandant AOB. Partagez le live dans les groupes. Partagez le live dans les groupes. Partagez le live des. Partagez le live des. Libération du commandant AOB. On a tous vu ça hier. J'ai été l'une des premières personnes d'ailleurs à le publier. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention avec le CNRD. Très, très attention avec le CNRD. Partagez le live dans les groupes. Et là, deuxième aspect de ce live va consacrer quoi? Deuxième aspect va consacrer sur quelque chose que moi j'ai remarqué et que d'autres peut-être ont remarqué. Ça a sauté sur l'œil de beaucoup de Guinéens. Beaucoup de Guinéens. Ça a sauté sur l'œil de beaucoup de Guinéens. Donc on va dénoncer cette chose-là aussi. Et qu'on va poser la question au colonel président de la transition. Pourquoi cette chose est limitée seulement qu'à certains individus? Partagez le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va à l'essentiel. On va à l'essentiel. Donc, libération du commandant Alpha Oumar Bofa Diallo, AOB. C'est un grand frère à moi. Je suis né devant lui, grandi devant lui. On est voisins jusqu'à son arrestation. On est des voisins. Il est à Boulbiné. Les immeubles jumelles que Alpha Condé a fait, c'est-à-dire qu'Alpha Condé a détruit là, c'est là-bas qu'il habitait, en face du camp Makambo. Donc le commandant AOB, Alpha Oumar Bofa Diallo, était l'aide de camp du feu général Lansana Conté, qui a été victime du régime d'Alpha Condé, comme tout ce qu'on connaît. Maintenant, pourquoi c'est maintenant qu'on le gracie? Pourquoi le commandant AOB, c'est maintenant qu'on le gracie? Je vais vous expliquer. Pourquoi faudra-t-il s'en méfier? Parce que le samedi, dans la semaine, le CNRD va faire l'inauguration du CNT.
Il faudra forcément qu'on s'attende aux mauvaises nouvelles, aux mauvaises nouvelles. Il y aura forcément des mauvaises nouvelles. Les gars-là veulent rester au pouvoir. Les gars-là ne veulent pas partir. Les pères sont partis, les papas sont partis. Place aux enfants. C'est ce qu'ils veulent nous faire. Place aux enfants. Maintenant, pour ça, ils ont des gens actuellement qui sont spécialistes de réflexion. Comment tromper le peuple? Comment tromper en majorité les militants de l'UFDG? Comment les tromper? Parce qu'il y a une chose qui est très très grave et qu'on doit comprendre. Oui, la communauté est facile à tromper. La communauté est facile à tromper. C'est ce qui est la vérité. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais la communauté est très facile à tromper. Est très facile à manipuler. Partagez le live. C'est une bonne nouvelle? Oui. C'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi c'est 6 mois après qu'on gracie AOB? Si oui, si oui, ce n'est pas une stratégie pour encore amadouer, tromper le cerveau des gens. Quand Dadis a pris le pouvoir, je vais vous raconter ce que beaucoup ne savent pas cela. Quand Dadis a pris le pouvoir, le commandant AOB a été arrêté. Le commandant AOB et certains cadres militaires ont été arrêtés quand Dadis a pris le pouvoir le 23 décembre 2008. Voilà. Le commandant AOB a été arrêté. Partagez le live dans les groupes, s'il vous plaît. Partagez le live dans les groupes. Le commandant AOB a été arrêté. Dadis l'a mis en prison. Il est resté en prison avec quelques cadres de l'armée pendant des mois. Quand Toumba a tiré sur Dadis, Konaté a pris le pouvoir. Quand Konaté est venu, il a pris le pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, les AOB étaient arrêtés par Dadis parce que il y avait le truc, parce que c'est un ancien aide de camp de Konaté, on craignait un autre coup d'état contre Dadis. Donc, AOB a été arrêté par Alpha Condé pour dire encore que c'est un autre coup d'État. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Dadis l'a arrêté pour dire que, voilà, il va faire coup d'État parce que c'est un cadre très, très aimé dans l'armée guinéenne. Maintenant, Dadis le met en prison. Konaté prend le pouvoir. Quand Konaté a pris le pouvoir, le lendemain, Konaté a pris le pouvoir. Konaté est parti à la maison centrale. Directement, il a libéré le commandant AOB et tous les militaires qui étaient arrêtés là-bas. Il les a tous libérés. C'est comment Konaté a fait ça. Parce qu'il faut dire, les choses telles qu'elles sont. Donc, Konaté prend le pouvoir. Le lendemain, il part, il libère AOB et tous les militaires qui étaient arrêtés. Le CNRD a pris le pouvoir ici. Quand le CNRD a pris le pouvoir, on s'attendait tous que les AOB soient graciés, libérés immédiatement. Mais ils n'ont pas libéré le colonel et le commandant AOB. Ils n'ont pas libéré Mamadou Alpha Barry, oui, le colonel Mamadou Alpha Barry, le porte-parole de la gendarmerie. Ils ne l'ont pas libéré. Jusqu'à présent, il est en prison. Vous comprenez? On continue. AOB reste en prison. Le CNRD ne parle pas de AOB. Il ne touche pas AOB. Il ne touche personne. Pendant 6 mois. Pourquoi c'est hier qu'on gracie AOB pour le faire libérer? Parce qu'on va nous annoncer des mauvaises nouvelles concernant la transition. Parce que le président de l'UFDG a parlé le week-end dernier
et les gens ont pris position. Actuellement, ils sont perdus dans les solutions. Ils sont perdus dans les solutions. Partagez le live, mettez les cœurs. Mon live d'hier a été signalé. Partagez le live, mettez les cœurs. On va se dire des bêtes. Pourquoi c'est maintenant après 6 mois qu'on gracie à Obé? C'est pour se faire plaire. Si vous remarquez, depuis que le CNRD est là, ils sont en train de faire du jeu. Quand ils partent danser avec Paul, ils quittent là-bas. Quand les autres sont fâchés, ils quittent de votre côté, ils partent danser avec les autres. Ils dansent là-bas aussi. Quand les autres sont fâchés, ils partent danser aussi avec les autres. Maintenant, c'est devenu un jeu que le peuple maintenant a compris. Quand on est fâché pour un truc, on fait une nomination banale, on nomme quelqu'un quelque part. Quand les gens crient de l'autre côté, quand les RPGistes crient de l'autre côté, ils font quelque chose qui vont plaire aux RPGistes. Boum! C'est-à-dire, ils sont en train de jouer avec nous, quoi. Ils pensent qu'ils sont plus malins que nous, quoi. Maintenant, bouf! Ils savent que réellement dans la semaine, le CNT va être en place. Ils vont nous donner des mauvaises nouvelles. Il faut que d'abord, ils nous dévancent pour nous donner boum, pour dire qu'ils ont gracié AOB. Vous pensez que AOB a été gracié comme ça? Ça a des conséquences derrière. Il y a des conséquences derrière. Vous pensez qu'ils ont gracié AOB comme ça? Si réellement, il n'y avait pas les conséquences, rien n'a été préparé pour libérer AOB. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, comme ils ont libéré les Fonike Meng et les opposants, ils allaient partir directement à la maison centrale pour les libérer tous. S'il n'y a rien derrière, c'est ça. En tout cas, quand Konaté, il n'y avait rien derrière pour les AOB, quand il a pris le pouvoir, Dadis est parti en convalescence, Konaté est parti directement libérer les AOB. Voilà, je vous apprends cela. Parce que beaucoup ne savent pas. AOB était d'abord en prison en 2010, en 2008. 8, 9. AOB était en prison. AOB a été emprisonné par Dadis. Dadis le craignait pour faire coup d'état. Dadis l'a mis en prison avec beaucoup de cadres militaires. Peul, Soussou, Forestier. Quand Konaté a pris le pouvoir, directement, il est parti à la maison centrale. Lui-même, Konaté, est parti à la maison centrale. Il a libéré tous les AOB, les militaires. Pourquoi Mamadi n'est pas parti directement libérer les AOB, les militaires qui sont là-bas? Parce que un militaire reste militaire. On dit toujours, un militaire ne va jamais laisser son camarade militaire se faire humilier. Un militaire ne va jamais laisser son camarade militaire se faire humilier. Les militaires se soutiennent. Mamadi a pris le pouvoir. Pourquoi il n'est pas parti directement libérer les AOB? Pourquoi il n'est pas parti directement libérer tous les militaires qui sont accusés de faux coup d'État? S'il a fait coup d'État, lui, contre Alpha Condé, normalement, les militaires là devaient être libérés sur le champ. Maintenant, pourquoi on attend 6 mois après? 6 mois après. C'est parce qu'il nous prépare des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles. Donc, c'est une bonne nouvelle, certes. Mais il faut faire très attention avec le CNRD. Parce que dans le jeu, nous nous trouvons là. Ils pensent que eux, c'est des enfants. Les papas sont partis. Maintenant, les enfants vont prendre la relève. On va continuer dans ce jeu-là. Ils vont jouer avec nous. Gna, 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 gna. Bon, comme c'est eux les plus intelligents. C'est rentré, sorti comme ça. Mais on a compris. Nous avons compris. Ça ne marchera pas. Et ça ne va pas marcher. Jamais de la vie. Donc, il faut qu'on se concentre à l'essentiel. Nous voulons une transition maximum de 2 ans. Nous ne voulons pas une transition de 3 ans. Nous ne voulons pas une transition de 4 ans. Je ne veux même pas dire de 2 ans. Ça, c'est mon avis. Nous voulons une transition raisonnable pour organiser des élections et partir. Partir. Un point, c'est tout. Et partir. Maintenant, le mardi passé, j'ai suivi le journal à la télévision nationale. Je vais poser cette question au colonel Mamadi Doumbouya et à tous les membres du CNRD. Et le peuple de Guinée va être mon témoin.
Le mardi passé, j'ai regardé le journal. Et j'ai vu une scène dans le journal de la RTG que j'ai pris, j'ai enregistré la vidéo. Maintenant, dans cette vidéo que je vais vous montrer, et on va tous analyser ensemble. Ensemble, hein? On se rappelle, le 1er octobre, le colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment pour ne pas se présenter pour les élections, pour être président de la transition et ce qui s'ensuit. Mais est-ce que depuis qu'on est là, depuis ce coup d'État-là, quelqu'un a vu un colonel Amara Camara se faire jurer? Quelqu'un a vu Bala Samoura se jurer sur le Coran? Quelqu'un a vu Idi Amin se jurer sur le Coran? Maintenant, pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya fait jurer les autres militaires sur le Coran? Pourquoi, Mamadi? Regardez ça. Que dans mes fonctions de chef d'état-major de l'armée de mer, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur, accomplir avec fidélité, loyauté et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai. Colonel Mamadi Aya Diallo, que dans mes fonctions de chef d'état-major de l'armée de mer, promets et jure devant Dieu. Colonel Mamadi Aya Diallo, que dans mes fonctions de chef d'état-major de l'armée de mer, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur accomplir avec fidélité, loyauté et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la transition en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour l'intérêt supérieur du CNRD et de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. J'œuvrerai toujours dans mes prises de décision à traiter équitablement toutes les filles et fils de Guinée, sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD et de son président, et sans aucune influence étrangère, ethnique ou régionaliste. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté à servir la nation, l'État et le président du CNRD, président de la transition, je souscris librement à ces engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président du CNRD. Lui approuvé, je le jure. Maintenant, Mamadi veut que les autres militaires, en majorité d'autres ethnies, le jurent sur le Coran, qu'ils vont être fidèles avec lui, qu'ils ne vont pas le trahir, qu'ils ne vont pas traiter les gens, pas de favoritisme, les autres ethnies, c'est-à-dire traiter les gens d'équité, d'équitable,
Le colonel Mamadi Doumbouya veut que les autres jurent pour lui loyauté. Loyauté de le servir. Mais lui et ses amis, eux, ils ne jurent pas sur le Coran loyauté envers le peuple de Guinée. Eux, ils ne jurent pas sur le Coran qu'ils ne vont pas traiter les gens de favoritisme. Il n'y a pas cela. Il n'y en a pas. On a tous vu ici le limogeage de Mme Yari Souma pour être remplacée par un homme de colonel Amara Camara. Son parent. Son parent. Les militaires passent jurer sur le Coran. On veut voir Dansa Kuruma et tous les membres du CNT jurer sur le Saint-Coran qu'ils ne vont pas trahir le peuple. Si Mamadi Doumbouya, réellement, vous êtes venu pour faire une transition équitable, transparente, organiser les élections, vous n'êtes pas en train de vous éterniser pour faire 5 ans, 4 ans, organiser les élections et donner à celui qui mérite, celui que le peuple choisira pour être son président, donner le pouvoir à celui-ci, il faut faire jurer tous les membres du CNT sur le Coran, Mamadi Doumbouya. Il faut faire jurer tous les membres du CNT sur le Coran. Même on sait qu'il y a certains qui vont jurer sur le Coran et aller faire pire après. Parce qu'il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable. Ils n'ont pas peur d'Allah. Ils s'en foutent de ça. Mais on veut voir aussi les membres du CNT jurer sur le Coran qu'ils ne vont pas trahir le peuple. Ce n'est pas les militaires seulement. Vous voyez pourquoi il fait jurer les militaires? C'est parce qu'il a peur. Il a peur. Allô? Allô? Il a peur. C'est ce qui est la vérité. Pourquoi il fait jurer les militaires sur le Coran? Parce qu'il a peur. Il a tout simplement peur. C'est pourquoi il fait jurer les militaires sur le Coran. Il demande aux militaires d'être loyaux envers lui. Comment est-ce que les membres du CNRD, eux, ils ne jurent pas? Qui a vu colonel Amara Camara jurer sur le Coran ici? Qui a vu les Idi Amin jurer sur le Coran ici? Qui les a vus? Eux, ce n'est pas des militaires. Eux, ce n'est pas des militaires. Qui les a vus jurer? Hein? Qui les a vus? Il prend papa des gens, hein, des vieux qui sont plus âgés que lui, qu'eux, ils vont aller jurer sur le Coran pour lui. Pour lui traiter allégeance, pour lui prêter loyauté. C'est quoi ce cirque-là? C'est quoi ce cirque? Le plan est connu. Le plan est connu. Il faut nous envoyer directement aux élections. Directement aux élections. On veut voir les membres du CNT, à commencer par Dansa Kuruma, se faire jurer de respecter et faire respecter, oui, les lois de la République en donnant le pouvoir à celui qui le méritera pendant les élections, d'organiser les élections libres et transparentes. Si Dansa Kuruma joue avec Dieu, Dieu va se charger de son cas. Maintenant, pourquoi faire jurer seulement que les militaires? Pourquoi faire jurer seulement que les militaires? Parce qu'il a peur, parce qu'eux, ils ont des armes. Nous autres, comme nous sommes la population, nous, on s'en fout de nous. Il n'y a pas de... On ne prête pas serment, on ne jure pas pour nous. Comme lui, il a prêté serment là. Son prestation de serment, moi, ça n'a pas de... Ça n'a pas de sens. Parce qu'on a tous vu les postes stratégiques. Regardez les postes stratégiques. On dit qu'on va traiter le Guinéen, pas de traitement, de favoritisme, pas de trick, nanani, nanana. Regardez les postes stratégiques. C'est toute une région. Les postes stratégiques. Toute une région. Ça, c'est traiter les Guinéens d'équitable comme ça. Ça, c'est traiter les Guinéens d'égaux comme ça. Regardez, ministère de la justice, ministère de la décentralisation, ministère des finances, tous les postes stratégiques. Hein? Vous pensez que vous pouvez jouer avec nous? Ou bien vous pensez que vous êtes plus malin que nous?
Au Mayelego. Au Mayelego. On veut voir les Dansa Kuruma. Les Dansa Kuruma se faire jurer sur le Saint-Coran. Comme les militaires là. Les papas des gens là. Jure sur le Coran loyauté envers vous, Mamadi là. Envers ton clan là. Vous, pendant que ton clan, eux ils n'ont pas juré pour nous la population. Eux ils n'ont pas juré pour nous. Ton clan n'ont pas juré pour nous. Vous pensez être plus intelligent, plus malin? Hein? Libération de AOB, ça a des conséquences. C'est parce qu'on va avoir des mauvaises nouvelles. Je vous dis ça là, maintenant là. Hein? Ils vont l'annoncer. Ils vont l'annoncer. Je vous dis ça maintenant là. Ils vont l'annoncer. Donc, allons à l'essentiel. L'essentiel là, c'est quoi? C'est d'organiser les élections. C'est d'être là, prêt pour le combat. Pas de recul. On était là, on a fait tomber le dictateur. Celui qui avait tous les milliards de notre pays. Parce que vous, vous avez des armes qu'on va être incapable de vous faire tomber. Jamais de la vie.